Et yep les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour vous présenter le tout nouveau véhicule qui est sorti donc ce mardi 22 novembre 2016. Donc je vais vous montrer tout de suite combien il coûte. Donc il est sur le site soutermsandreassuperauto.com. Donc c'est le Vapid Yuga Classic à 195 000 $. Donc il fait penser au 22 de Scooby-Doo. Donc de toute façon vous aurez aussi le motif qui ira avec. Donc je vous montrerai ça par la suite. Donc vous pouvez voir que dans ce véhicule on peut monter à 4. Donc là je vous ai montré la vue arrière. Et je vais vous montrer tout de suite la vue avant. Donc voici. Donc ça change un petit peu, l'intérieur change un petit peu des autres camionnettes. Donc je trouve ça assez stylé. Donc j'ai peur que j'ai me fait le début. Voilà. Bon c'est pas très grave, hein, c'est un petit fail. Mais voilà. Excusez-moi. Donc là je vais directement aller le customiser. Hop là. Donc il est très très maniable hein, ce véhicule. C'est... Excusez-moi. Il est assez maniable et franchement je vous le conseille, il est pas très cher, ça change des autres motos. Donc qui coûtait plus de 500 000 et tout. Enfin bref. Donc là j'ai réparé le véhicule. Donc frein au max, châssis, donc marche-pied. Moteur bah, au maximum. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des réductions donc voilà. Échappement double. Après klaxon, ça j'en mets pas. Éclairage, phare au guidon. Voilà. Ensuite, motif, donc là j'ai montré un peu tous les motifs, donc je vais assez vite hein. Donc je suis un petit peu, donc je suis un peu revenu. Et là, le motif Scooby-Doo, c'est surf, donc vous pouvez voir qu'il ressemble vachement. Donc je vais couper le moment où je vais faire la peinture, parce qu'en fait j'ai mis plus de 3 minutes à trouver. Mais en fait je l'ai vraiment pas trouvé. Donc quand j'avais fini de chercher la peinture, j'avais toujours pas trouvé. Enfin bref, donc là j'ai mis le toit, bas de caisse, suspension, haillon. Route secours. Donc voilà. Donc là je vais faire une petite coupure pour montrer à quoi il ressemble le véhicule à la fin. Donc là, donc je vous dis à tout de suite. Et donc là on se retrouve donc avec le Yuga classique. Donc je vais faire une petite coupure. Et vous pouvez voir que à la lumière donc on voit vraiment que ça ressemble. Donc après il n'y a pas marqué The Mystery Machine. Mais c'est pas très grave hein. Donc on peut voir déjà une petite ressemblance parce qu'il faut savoir que le véhicule était bleu. Donc moi du coup je crois qu'il était vert mais enfin j'ai regardé, je me suis inspiré un peu des images. Donc voilà, pour le faire. Donc là je vais me rendre sous un... dans le tunnel pour montrer à quoi il ressemble. Donc avec ce véhicule on peut faire aussi des deux roues facilement, donc ça qui est vraiment cool. Et il y a aussi un nouveau mode de rivalité. Donc là c'était retour à la ligne et maintenant c'est passe à l'arme, un truc comme ça. Donc voilà, donc je l'ai pas encore testé. Donc voilà, je le teste ultérieurement. Donc voici à quoi ressemble le véhicule à la lumière. Donc vraiment stylé. Vraiment quand il fait bien jour, il est encore plus clair. Donc ça fait vraiment, vraiment beau. Donc voilà, donc ça tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.